Saint-Esprit. Amen. La grâce des esprits de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voici rassemblés autour de notre Seigneur qui veut nous partager sa mission, qui veut nous partager son pouvoir, qui veut nous partager son amour et sa vie. Notre présence est une réponse à cet appel pour pouvoir nous engager à sa suite. Pendant cette célébration, nous allons lui confier toutes les intentions de prière que nous portons dans nos cœurs. Nous lui confions toutes ces personnes qui nous sont chères, nous lui confions aussi les malades. Commençons alors par le reconnaître pécheur. Demandons-lui sincèrement pardon pour toutes nos faiblesses, pour toutes nos limites, pour tous nos péchés. Qu'il rende agréable notre célébration et que celle-ci nous apporte les grâces nécessaires pour vivre notre vie.
nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Osée. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels, plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé maintenant, il va expier. Le Seigneur renversera les autels, les stèles, il les détruira. Maintenant Israël va dire, nous sommes privés des rois, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme de l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont les crimes, les péchés d'Israël. Épines et ronces recouvriront leurs autels. Alors on dira aux montagnes, cachez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de fidélité. Défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur nous une pluie de justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh,
Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons cette parole du Seigneur. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Dans cet extrait de l'Évangile, nous voyons combien Jésus associe à sa mission
combien Jésus partage son pouvoir avec ceux-là même qu'il a choisis. Il les appelle chacun par son nom. Et la première mission qu'il leur donne, c'est le pouvoir d'expulser les esprits impurs. Nous avons vu dimanche qu'il priait son Père pour qu'il garde ses disciples du mauvais. Ces mauvais ici représentent les esprits impurs. Ces esprits impurs, c'est tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Les esprits impurs, c'est tout ce qui nous détourne du bien, du vrai, du beau. Les esprits impurs, c'est tout ce qui entretient en nous la haine, la rancune, la jalousie. Il leur partage encore son pouvoir qui est celui de guérir toute maladie et toute infirmité. De par notre baptême, nous sommes dotés de ce pouvoir. De par notre baptême, Jésus a appelé chacun de nous par son nom. Il l'a appelé pour pouvoir lui confier une mission, pour pouvoir lui donner un pouvoir d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, Saint Matthieu le résume en disant « Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. » Saint Marc, tout comme Saint Luc, dira « Proclamez que le royaume des cieux est parmi vous. » Ce royaume des dieux, c'est un royaume de vie et d'amour. Ce royaume des dieux, c'est un royaume de justice et de paix. Ce royaume des dieux est un royaume de fraternité et de vérité. Ce royaume des dieux est un royaume de pardon et de réconciliation. Et partout nous nous engageons pour favoriser la vie et l'amour, pour favoriser la paix et la justice, pour favoriser la fraternité et la vérité, pour favoriser le pardon et la réconciliation, là nous pouvons dire que nous avons réalisé la mission nous confiée par le Seigneur qui nous a appelés chacun par son nom. Mais cette mission n'est pas simple. Voilà pourquoi Jésus, en partageant sa mission et son pouvoir avec ses disciples, il leur donne des instructions. Il leur dit « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes. N'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. » Ce verset a toujours été parfois mal interprété en mettant sur la langue et dans la tête de Jésus ce qui n'est pas correct. Si Jésus donne ses instructions, c'est parce qu'il n'a pas encore suffisamment formé ses apôtres. Il vient à peine de les appeler et il les envoie en mission, une mission qui n'est pas facile. Une mission où ils vont rencontrer les oppositions et les contradictions. Une mission où ils vont rencontrer le rejet. Jésus les arme déjà pour leur dire, vous vous engagez sur un chemin difficile. Allez annoncer la bonne nouvelle. Et il ajoutera, là où on vous accueille, commencez d'abord par souhaiter la paix à ceux qui vous accueillent. Que la paix soit avec vous. Là où on ne vous accueille pas, secouez vos pieds, laissez même la poussière
collé à vos pieds, mais continuez votre chemin pour dire la mission que Jésus confie à ses apôtres, la mission que Jésus nous confie est une mission itinérante où nous devons être très rapides pour pouvoir la réaliser. Nous avons entendu dans la première lecture que Dieu avait tout donné à Israël. Il lui avait tout donné. Il avait le bonheur, mais ce bonheur l'a détourné du vrai Dieu. Il a dû alors avoir d'autres dieux que le Dieu créateur. C'est ainsi qu'ils ont commencé à errer. Et en criant vers Dieu, ils se disaient, nous allons attendre jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur nous une pluie de justice. Chers frères et sœurs, chacun de nous est appelé par son nom pour être disciple de Jésus. Chacun de nous, de par le baptême, s'est engagé dans cette mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus nous prévient déjà que la mission n'est pas facile. Pour ce faire, il nous invite tout simplement à avoir la foi, à nous abandonner totalement dans ses mains, à nous rendre disponibles, à laisser agir en nous l'Esprit Saint qui doit nous orienter, qui doit servir de mémoire pour nous, qui doit nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné, tout ce qu'il a fait. Que chacun se dise, je suis le lieu de la présence de Dieu. Je suis le lieu de la rencontre entre Dieu et les autres. Je suis mandaté pour faire transparaître à travers mon vécu quotidien le royaume de Dieu, ce royaume de vie et d'amour, comme je l'ai dit, ce royaume de justice et de paix, ce royaume de vérité et de fraternité, ce royaume de pardon et de réconciliation. Ainsi, engageons-nous dans ce combat pour faire régner ce royaume de Dieu partout où nous nous trouvons. C'est en cela que nous aurons alors à rendre compte à Jésus. C'est en cela, dans ce moment-là, que nous aurons à partager la vie éternelle en Christ Jésus. Amen. Sûr de l'amour de Dieu pour nous, en toute confiance, nous pouvons maintenant ouvrir nos cœurs pour lui présenter toutes nos intentions de prière. Personnes âgées, afin qu'elles se transforment en maîtres de tendresse et que leur expérience et leur sagesse nous aident comme membres de la communauté famille chrétienne à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité. Prions le Seigneur. Afin qu'ils puissent être des bons conducteurs des hommes
et qui nous aide à la conversion. Prions le Seigneur. Thank you.
C'est présent que, dans ta miséricorde, tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé. Comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartiennent, il a étendu les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
nous te prions. Sanctifie tes offrandes en répandant auprès de ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph et le Saint de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour toi-même et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par la charité du Christ, nous pouvons échanger un signe de paix. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Famille chrétienne. Famille F majuscule, chrétienne C majuscule, P majuscule, et puis Europe majuscule, Amérique majuscule. Et là vous accédez facilement, vous allez voir le logo de famille chrétienne qui sort, il y a des images, il y a des films qui sont déjà là. Alors abonnez-vous, il y a plusieurs méthodes pour que nous ayons plus d'abonnés. Il faudrait appeler les nièces, les niécos, les cocos, les tecos, tout le monde, vous pouvez les demander de s'abonner pour que l'effectif augmente. Si nous n'atteignons pas 1000 abonnés, on risquera de nous fermer. Mais pour votre information, il y a Vicaria du diocèse de Belgique qui est déjà accédé. Ils sont déjà membres. Donc, faites-vous l'effort de faire voir notre communauté. Et nous avons aussi page Facebook aussi, qui s'appelle aussi Communauté Famille Chrétienne. Donc c'est la même chose. Là, nous sommes déjà dans les 800 et quelques abonnés. Mais sur page YouTube, vraiment, il n'y a pas suffisamment d'abonnés. Il faut qu'on fasse l'effort
On peut abonner même 10, 20 personnes. Quand vous informez, vous arrivez, vous dites non, abonnez-vous. C'est pour ne pas perdre le temps, pour ne pas qu'on bloque ça, pour que les chiffres augmentent. Merci. Ok, le message est bien reçu. Nous allons remettre la parole à M. Lavé. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et